Christophe Trévite. Bonjour. Vous êtes sur le Festival de Cannes. Oui. Qu'est-ce que vous présentez? Alors, je suis au Short Corner avec un court-métrage qui s'appelle « Sans moi une Provence » et qui dure 13 minutes et qu'on peut voir au Short Corner quand on veut. Bah, c'est ouvert, c'est open. Et voilà, et ça permet d'être à Cannes aussi pour faire des rencontres, découvrir d'autres réalisateurs, d'autres types de projets, etc. Vos rencontres sur le festival? Mes rencontres sur le festival, alors beaucoup de rencontres, je retrouve déjà des personnes que j'avais déjà rencontrées l'année dernière et l'année d'avant. On part de notre actualité pour développer aussi le futur. Et puis après, on prend aussi beaucoup de renseignements sur ce qui se fait. En l'occurrence, pour nous, c'est de trouver des informations sur tout ce qui est coproduction européenne, si on peut trouver des partenaires, des distributeurs aussi, des systèmes de subvention, etc. C'est vraiment... En plus, pour après, le côté relationnel, quoi, faire des rencontres au hasard. Voilà. Si on vous cherche sur le web. Alors pour me trouver sur le web, il suffit de taper suislelapinblanc.fr. C'est le nom de notre structure. Alors, le sujet, le court-métrage, c'est l'histoire d'un vagabond qui marche parmi les vignes en Provence et qui va rentrer dans une maison dont la fenêtre du rez-de-chaussée est entrouverte. Pas pour voler, mais pour se reposer un petit peu. Et c'est là qu'arrive la propriétaire des lieux, une femme d'une quarantaine d'années, d'origine franco-anglaise, en larmes, complètement désespérée. Et lui, ce réfugié, se cache dans un placard de la chambre de cette on personne. On va pas vous dire, quand voilà. Même. Et donc l'histoire se déroule. Voilà, c'est dure que 13 minutes, donc ce serait dommage de tout dire. Ah oui, peut-être. Voilà. Pour la Palme d'Or, une idée? Aucune pour l'instant. On me dit que le Azanavicius est bien. Le défi de Michel Azanavicius avec Bérénice Bejo. Après, je ne pourrais demain, pas dire, je ne sais pas. Demain, on saura. Peut-être Azanavicius, ça serait sympa. Que le meilleur gagne. Voilà, exactement. Bah, Christophe, merci. Bah, de rien. Merci donc pour le web. Oui. Et puis, à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.